Cette vidéo sort très en retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Si ce nouveau format te plaît et que t'aimerais un épisode 2, le like est fait pour me le faire savoir. J'aimerais vraiment beaucoup recevoir vos avis en commentaire également. Perso, j'ai grave kiffé, le changement ça fait aussi du bien. Alors bonne vidéo à tous. Salut! La forme? Le 3 juillet dernier, Kia m'a invité à assister en VIP à la demi-finale de la Coupe du Monde féminine Pays-Bas-Suède. Et je suis content de pouvoir enfin vous proposer cette aventure incroyable que l'on a vécue avec Thibaut. Petite précision, ce vlog sera uniquement avec mon nouvel achat, la GoPro Hero 7. Les prochains vlogs seront avec une caméra professionnelle, mais c'était cool de tester. 5h51, tu veux pas te mettre sur ça ou tu préfères être sur ça? Comment ça va Thibaut? Yes. La fatigue. Allez, on part pour Lyon. On est éclaté. On sait plus à quelle heure est l'avion. Deux mecs désorganisés. Il est 8h42. Fin de l'embarquement à 8h44. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on est arrivé. Allez go. On arrive ici. On est devant ou derrière? On arrive ici, je sais pas. M'en fous, j'y suis. On l'a fait. Enfin. Bienvenue à bord, même au commandement. Et quel homme! Quel dos! Yes! Bien arrivé à Lyon. On n'entend certainement rien. Excellent. Touristique à Lyon, bonjour. Moi je parie que c'est le... Il faut savoir qu'il a rien vu du tout, il sait pas du tout où on est, il sait même pas qu'on est à Lyon. Non, on est même pas à Lyon. On est même pas à Lyon. On est à Colombier, je crois. On est à Colombier, ouais. J'ai envie de péter. On vient à peine d'arriver à Lyon et franchement je suis rassuré parce que vraiment j'ai vu le moment où on allait se retrouver à Bordeaux comme des gros cons. Bon, on est enfin arrivé et chose forcément inévitable. On ne sait pas où aller. Bon, ça y est, le périple est fini, mais par contre, on vous a pas dit pourquoi on est à Lyon. Pourquoi on est à Lyon, Thibaut? Je sais pas, il se passe quoi en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce... Mais non, mais elle sortira quand pas. Quand ça sortira, ça sera fini, mais... En gros, on vient voir la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde féminine 2019. Donc c'est Pays-Bas-Suède, ça va être du très lourd. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Vous voyez le métro ici? Voilà, je lui ai dit... Et on l'aura pas. Il me dit, non, c'est pas ici. Ok. Eh bien on va marcher, bien fait, chef. On lui dit, madame, excusez-nous, on n'a pas fait exprès, on s'est trompé. Allez, c'est parti pour la route inverse. Là, on va au métro à Cuire. Ok. On redescend à Mijoté aussi. Ouais. Excellent. Les blagues de merde. Ouais. Une personne désorganisée, une autre personne désorganisée, ça fait une désorganisation totale. Sauf que moi, il y en a un des deux qui sait à peu près où il va. C'est moi. Depuis le début. Ouais, c'est vrai, depuis le début, j'avoue. J'avoue que sans toi, on serait peut-être à Metz pour le moment. Hôtel de ville. Oui, hôtel de ville. Et une superbe place en travaux. Ah ouais. Ça a l'air ouf, ça. Ah, attends, viens, voilà. Il y a un musée des bleus. Oh, oui, on est là pour le foot, nous. Alors fais-nous une petite visite. Nous voici dans les locaux de l'hôtel de ville de Lyon. Oui. Nous pouvons voir un superbe musée sur le football. C'est exact. De l'équipe de France. Ok. Plus que la MIF, ça. Ça, c'est bail, ça. Pourquoi il fait ça? Allez, la course, la course. Il me pousse contre la barrière, c'est tranquille. Yes. J'ai un peu triché. Il me pousse contre la barrière. J'ai gagné, et yes. Il m'empêche de passer avec le bras comme ça. Alors là, nous nous trouvons dans on un... On sait pas. On sait pas. Je vais pas faire genre le gant, c'est pas... On est pas loin de l'hôtel de ville, on prend. On est pas loin. En vrai, là-bas, on monte, il y a quelque chose de stylé. Franchement, le meilleur truc, c'est de partir sans savoir quoi faire. Dès qu'on arrive en haut... On bout ici, hein. On visite Lyon comme ça, à l'aveuglette. Ouais, voilà. Et puis c'est là où on trouve les plus belles trouvailles, j'ai envie de te dire. Hein. Je sais pas. Hein, Thierry, t'es pas d'accord avec moi? On verra, Gilbert. On verra, allez. Par contre, on fait quoi? On fait Pékin Express, là? Il y a 200 000 marches. C'est parti, j'ai plus rien à dire, donc du coup, je dis let's go, c'est parti. C'est parti. C'est parti.
L'accent français détecté. That was so painful. Il a croisé une américaine en boîte. Là, il essaye de la draguer. Il s'est dit, vas-y, j'essaye de sortir quelques mots stylés. Il charbonne. Allez, mon gars, crois en toi. Pas d'ici. Ouais, franchement, ça donne bien. Bon, ça y est, on est enfin arrivé en haut. Mais la vue vaut le coup, honnêtement. C'est plutôt pas mal. C'est sympa. On continue, Thibaut ? Allez. Nous, on est chaud de ouf. Hein. Bon, j'espère que ce genre de vlog, ça vous plaît. Là, c'est un petit peu un vlog à toute allure, j'ai envie de dire. Ouais. Et franchement, la vue, terrible. On t'a monté ça en 1 minute 15. Mais la vue en valait le détour. Et en valait la cross-sport, j'ai envie de te dire. La ah, c'était de la cross-sport, mais. C'était absolument pas ça, mais c'est pas grave, j'avais envie de caler le mot à cross-sport. C'est sur des tatamis. Pas forcément. Là, si j'ai envie de faire une figure, je fais une figure. Nope. Voilà. Et d'ailleurs les gars, je tiens vraiment à remercier Kia qui nous offre la possibilité énorme d'aller voir ce match. Donc voilà, un petit coucou à eux, merci beaucoup. On vous montrera le plus possible. Ouais vraiment, on va essayer de vous montrer le plus possible. Et bien avec ce temps, ça part sur une glace. Et une petite limonade. On se retrouve où là Thibaut? Au bord du fleuve. Lequel? La Sonne. Nope. Yeah. Pas de conneries. Ok, petite mise à jour, on était censé arriver à 19h, il est 20h. 20h, faute. Alors un peu nous deux. Je vous explique. Thibaut croyait que, non, attends, croyait que le stade de Lyon, c'était encore le stade de Gerland. Pour me défendre. Pour me défendre. J'ai pas fait exprès. Ce Footix. Matin, je regarde les stades et je vois stade de Lyon. Et puis il me descend tout en bas à Gerland. Et puis je vois Gerland, j'ai un petit tilt, c'est bizarre. Je demande à Vahem et Vahem me fait. Non, tu vois, il me dit rien, tu vois, genre en mode, c'est normal ce que je lui ai dit, tu vois. Du coup, je fais, okay, j'avoue que j'ai un peu de temps aussi. J'apprends toute la journée le chemin pour aller là-bas, on le prend, on arrive, et puis là, on tilte en arrivant, on fait, putain, mais c'est Gerland, en fait. Ah ouais, yes. Et du coup, après, on n'a même pas pris le tramway direct, enfin bref, c'est un bordel sans nom. Deux clampés. Pour une fois, Vahem allait être en avance. Ouais, d'ouf, j'étais trop bien, et là, en les fait, gars. On a une heure de retard. On s'en souviendra de celle-là. Je l'ai mollé en feu, là, ça y est. Elle est belle, franchement. Deux désorganisés, mais totalement. Il n'y a pas une petite organisation, il n'y a rien. De ce matin, quand on a pris le train, à maintenant. Voilà. Et demain, ouais, ça sera la même. Et demain, ça sera exactement demain, la même. À tout moment, les gars, on rate l'avion. À tout moment, on reste à Lyon. À tout moment, on se met en gros trampoline. Nouveau film, les abonnés, on a raté l'avion, les gars. Allez, les gars, on se retrouve dans le stade. Bon, on y est enfin arrivé. Je vous montre ça. Tout non, stylé. En G. Alors, tu es content d'être dans ton stade? Enfin, à l'extérieur pour l'instant. Ouais. Faut savoir que Thibaut est un supporter de Lyon. Bon les gars, on est arrivé dans le salon VIP. Et c'est beaucoup trop pour nous. J'arrive, le mec il nous fait « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire ?» Une bière, un iced tea. J'ai demandé un iced tea, il m'a donné pour la santé. Franchement, mais merci à vous les potes parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ça et c'est juste pour vous. Merci cueilleur. Pronostic, les Pays-Bas gagnent. La 69e minute, ouais. Et c'est toujours 21 secondes. Merci. Et c'est un match très serré, il y a un poteau et une barre transversale de chaque côté. Oh, il y a pas péno? Il y a pas péno? Ouais. Franchement, pas. C'est... Non, je sais pas sûr. Bon les potes, prolongation, 0-0 toujours, c'est super serré, un poteau chacun, je répète. Et c'est la qualification des Pays-Bas. Ouais. Joli match, franchement, que ce soit l'une des équipes bloc, c'est vraiment un joli match, bravo aux Pays-Bas. Allez, on va dormir. À moins que... Il arrive jamais le métro. Bruh. On a plus de bus, il est 1h30 et on doit encore... 47. Et on doit encore faire de la marche. On a une demi-heure de marche. Grosse dédicace à Robin qui nous prête son... Ouais, appel. Grave, merci beaucoup Robin. Merci mon gros, je t'aime. Et la famille. Je marche. Ça fait 15 minutes qu'on marche, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. On n'avance pas. Bon, de toute façon, j'ai plus de batterie les gars.